On est de retour dans Ça parle hip-hop pour continuer encore l'émission sur les médias et le rap. Pourquoi les médias boudent autant le rap? On va en parler avec encore du beau monde qui va arriver. Wesley, tu peux encore revenir avec nous? C'est pas fini pour toi, tu peux encore t'asseoir ici. Reviens. Toi, fais ta plaisir. Mais je me fasse lyncher, ça. Ouais, c'est exactement ça, c'est pour ça. On va encore accueillir du beau monde pour nous. Assieds-toi. On va donc accueillir en premier Siana qui sera là. Siana. Rejoins-nous. Siana qui fait du... Celle qui fait beaucoup besoin en ce moment avec ses freestyles où elle fait un peu le tour du monde. On en parle beaucoup, on va en parler aussi juste après, t'inquiète pas. Monsieur Vantard, est-ce que monsieur Vantard est là? Vantard. Il prend des photos là. Vantard. Vantard va arriver, il fait juste une photo avec quelqu'un qui l'aime bien apparemment. Il fait avec Tunisiano, tout simplement. Ça marche. Vantard, installe-toi, je t'en prie. Où tu veux, vas-y. Oui, il a de la chance, il fait les deux modules. On va aussi recevoir une personne qui fait beaucoup parler, c'est Tonton Marcel du site endout.com. Tonton Marcel. Où tu veux. À côté de Wesley. Et on va aussi accueillir, pour finir, Olivier de Street Rules, le site internet qu'on peut vous retrouver, streetrules.com. Avec une belle chemise. Avec une belle chemise, c'est vrai. Mets-toi, bah, serrez-vous un peu. C'est le banc des accusés là. Alors messieurs, vous qui... Voilà, on a des sites internet, on a des réseaux, on a un monsieur chroniqueur et une rappeuse qui est là. Déjà, s'il y en a toi qui rentre un peu justement, qui commence un peu dans le rap, qui rentre un peu, qu'est-ce que tu penses un peu du retour des médias avec les rappeurs et les rappeuses aujourd'hui pour toi? C'est assez compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Je sais pas justement, je me pose la même question que toi. T'as essayé un peu de démarcher beaucoup de télé ou t'as eu des retours un peu par rapport à ça ou pas? Non. Pas par rapport à la télé, pour le moment non. Vraiment que disent internet qui viennent te chercher. Internet pour le moment, ouais. Tonton Marcel, il y a plein de... Tonton Marcel. Vantard, on vient juste après avec toi, t'inquiète pas. Oui. Vantard, t'as fait une vidéo il y a pas longtemps justement sur internet où tu fais beaucoup parler aussi, où tu critiquais un peu l'hypocrisie justement du rap français. Explique-nous un peu ce que tu voulais dire dedans et ce que tu reprochais aussi aux médias aujourd'hui. Ben déjà dans le premier module, là, il y a quelques instants, il y a des choses très pertinentes qui ont été dites. Justement, je parlais, le rap, c'est la bande originale des médias, que ce soit téléfoot, que ce soit confession intime, des reportages, des documentaires, que ce soit même pour des cupcakes, des cerfs-volants, de tout ce que tu veux, en fond sonore, c'est toujours du rap. Et malgré ça, on n'a pas accès aux médias, ou quand on a accès aux médias, c'est pour parler de faits divers, de clash ou de choses négatives. Alors que le rap français se porte très bien, il y a de très belles plumes, il y a des disques d'or, des disques de platine, il y a de très bonnes choses qui se passent autour du hip-hop. Mais à chaque fois qu'on a accès aux médias, ben, c'est pour parler des faits divers et c'est souvent avec des gens qui à la base méprisent cette musique et qui ont une méconnaissance de cette musique. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu es en train de dire en gros que voilà, les médias savent que le hip-hop ça s'écoute, il n'y a pas de problème pour ça, mais ne mettront jamais ça en avant, mais vraiment en avant. Exactement, c'est voilà toujours les faits divers. Bah au final, et c'est pour ça que je pense que les rappeurs entre guillemets ont disparu des talk shows et compagnie, parce que quand ils y allaient, c'était toujours en mode guet-apens. Donc les rappeurs, ils étaient déjà dans une posture d'autiste et ils étaient toujours sur la défensive en mode justification et compagnie. Et quand un rappeur était invité sur les, je sais pas, 20 minutes, 30 minutes, on parlait jamais de la musique en fait. On parlait que de faits divers, de sang, de clash. Ce que Vantard vient de dire, c'est qu'il y a eu énormément de ventes ces derniers temps et le rap n'est pas représenté médiatiquement. À savoir, est-ce que le rap a toujours besoin des médias pour survivre? Je vais lire une petite interview qu'avait fait Fawzi Menmenri, qui était assez près de IAM et de Jams et de Rof, qui disait on peut regretter que nos rappeurs ne soient toujours pas considérés comme des artistes à part entière, mais plutôt comme des porte-voix des banlieues, qu'on convoque sur les plateaux télé pour trop de voitures cramées ou dans les quartiers. Hors polémique, les MC ont du mal à exister médiatiquement, on ne parle jamais de leur musique, mais de ce qu'ils font, qu'ils sont censés représenter socialement. Exactement, ben voilà, regarde, t'as Booba, je sais pas, qui va aller chez Ruquier. Au lieu de lui parler de sa musique, ils vont déballer son casier judiciaire ou voilà, ils vont parler de tout sauf de sa musique. Donc c'est ça que je trouve déplorable en fait. Tonton Marcel, qu'est-ce que t'en penses de ça, toi, justement, de retour des médias avec. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, le rap, c'est beau. Ça donne envie de faire beaucoup de choses, tu vois. Mais c'est quoi le problème avec le rap et les médias alors? Ah non, en fait, il n'y a pas de problème avec le rap. Il y a des problèmes avec les rappeurs en fait. C'est les rappeurs le problème, tu penses? Le problème, c'est les rappeurs en fait, tu vois, ils aiment se la péter, ils pleurnichent. C'est ça qui donne la mauvaise image. Mais c'est ça en fait. Faites la musique et
et c'est tout, faites-nous kiffer, on va cliquer, mais ils sont là en train de s'embrouiller constamment pour rien du tout, alors que de plus en plus de jeunes les écoutent, tu vois, c'est triste maintenant, tu vois. Mais nous, on est des médias, on n'a pas le choix, donc on est obligé de médiatiser ça, parce qu'en même temps, ça fait connaître nos sites, ça donne des clics, et ça rapporte de l'argent, donc oui, on aime les clashs, on aime les clashs. Ouais. C'est dommage d'ailleurs. Parce que sur Endaout, c'est vrai que vous relayez pas mal en fait cette mauvaise image, cette histoire de clash. Et est-ce que tu penses que justement ton site endaout.com ou d'autres aident à cette mauvaise image, aident à avoir cette mauvaise image? Tu sais Hubert, moi je me suis fait connaître par rapport au clash dans le rap français. Ouais. Parce qu'en fait, et je me souviens... Et je mettais un sac à dos derrière moi et je sillonnais un peu justement tous les quartiers pour aller rechercher les jeunes, leur parler ouais, de tel rappeur, ou bien il y a une embrouille qui se passe, tac, Tonton Marcel se retrouvait dans le coin et j'y allais, tu vois. Mais avec le recul, je me disais finalement en fait, ça ne servait à rien parce que le clash n'apporte pas grand chose au rap en fait. Olivier, ça le dénigre en fait, tu vois. Olivier, toi qui es sur Street Rules un peu, qu'est-ce que tu ressens en fait? Qu'est-ce que tu penses des médias et du rap aujourd'hui? Tu penses que les médias représentent bien le rap ou pas du tout? Pas assez. Pas du tout. J'ai même l'impression que au fur et à mesure du temps en fait, l'exposition médiatique du rap à la télé régresse. Parce qu'il y a une époque, dans les années 90, il y avait même des émissions spécialement rap. Il y avait Cachin déjà, ouais, avec Rapline, HP à choper. Est-ce que c'est possible aujourd'hui qu'il y ait des émissions spéciales comme ça sur les scènes hertziennes ou alors sur la TNT directement? Est-ce que c'est possible aujourd'hui que ça revienne? Sur TF1, non, c'est plus possible. Je pense que sur TF1, c'est pas possible, mais je pense que sur certaines chaînes, genre Canal+, je pense qu'il y a quand même un esprit où... Je pense que le hip-hop a sa place, quoi. Mais Canal+ a longtemps essayé, justement. Ils ont mis une émission il y a pas longtemps. Enfin, il y avait Click. Il y a encore aujourd'hui, Click aussi, justement, mais qui s'arrêtait parce que faute d'audience. Il y a aussi Le Before qui a essayé, mais il y a beaucoup d'hip-hop dedans, mais aujourd'hui qui a du mal parce qu'il n'y a pas beaucoup d'audience derrière. Est-ce que c'est aussi un problème du public, des auditeurs qui ne regardent, qui suivent pas assez les rappeurs? C'est quoi le problème? Parce qu'au final, on va dire que les gens, ils s'en foutent du rap alors, ça veut dire. Si les gens ne regardent pas. Ouais, mais après le souci, par exemple, quand tu donnes l'exemple de Click, c'est aussi le créneau horaire, quoi. Le samedi à midi, je connais pas grand monde qui se lève à midi pour regarder Click, tu vois. C'est toujours ça. C'est comme les victoires de la musique sur le premier module, on nous passe à des heures où il y a peu d'écoute, quoi. C'est comme quand il y avait les émissions spé sur Skyrock avec West Coast là, ouais, ou Couvre-feu, ouais. C'était ouais, les nocturnes, c'était à minuit, minuit 10, et puis tout est parti au bout d'un moment, quoi. C'est ça, ouais, absolument. Ça veut dire qu'aujourd'hui les rappeurs sont invités à la télé, c'est juste pour parler des problèmes, je sais pas, sur parce qu'en fait on va reprendre ce qu'avait dit Booba, justement, ce que tu disais devant juste auparavant. Booba il dit je suis pas encore contre les médias. Ceux qui ont des problèmes avec moi, quand on m'accueille au grand journal, on me fait des wesh, du verlan, on me sort mes pires punchlines, je vois qu'on me considère comme une caricature. Et voilà la banlieue qui arrive. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit ou c'est Pour moi c'est clairement Booba, c'est de la posture claire et nette comme la plupart des rappeurs, c'est-à-dire que faut une posture. Booba, c'est quand même, par exemple, avec Skyrock, qui dit « je veux pas passer à Skyrock, ils y connaissent rien ». Et d'un autre côté, il va te dire « c'est pas normal, je passe pas sur Energy ». Je pense pas qu'Energy se connaisse plus en rap que Skyrock. Donc, il y a de la contradiction constamment. Et tu parlais tout à l'heure, Tonton Marcel, toi, tu t'es obligé de mettre des clashs pour faire cliquer, mais les rappeurs, ils ont très bien compris comment ça fonctionnait avec vous maintenant, les médias. C'est-à-dire qu'ils vont parler un peu de clash, ils vont faire un peu des clashs entre vous. D'ailleurs, comme tout à l'heure, tu nous as dit tout à l'heure, entre La Fouine et lui, ils ont fait une sorte de petit clash. Et pendant une semaine, tous les médias clash. Tunisiano, La Fouine, ils ont sorti leur morceau Panam Boss, 19 millions de vues sur YouTube. Ils ont très bien compris le jeu. Tout le monde a un rôle dans cette histoire. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de caste, de petite caste entre vous. Et c'est ça le truc aussi, c'est qu'ils ont très bien compris et tout est une histoire de posture. D'ailleurs, en parlant de clash, je suis en clash avec Morsai, moi. Donc, Oui, j'ai vu ça. Moi, c'est la MZ qui menace. Donc, tu vois, est-ce que tu serais, je prends un exemple vraiment totalement fou, mais est-ce que tu serais capable de clasher un rappeur ou n'importe une rappeuse pour faire parler de toi? Est-ce que tu serais prêt à mettre ça en avant? Non, du tout. T'as déjà reçu des petites attaques, des petits pics de certains rappeurs ou Non. Pas encore. Pas à ce que je sache. Ça va arriver. Que des compliments, s'il y en a. Pas encore, parce qu'elle fait pas assez de buzz encore. Non, elle fait du buzz, mais pas encore assez. Ça va arriver. Quand on va commencer à dépasser les millions de vues, les clashs vont commencer à s'installer. Donc les rageux vont commencer à venir, les haineux, tu vois. Dans le rap, il y a beaucoup de rageux et de haineux, tu vois. C'est bon signe, c'est bon signe. Après, c'est signe de succès, généralement. Après, le rageux, c'est aussi la phrase des rappeurs. T'es un rageux, on s'en fout. Fais ton truc. En tout cas, big up à Gradure. Voilà. Mais chez Gay.
On a vu la photo. Vantard, est-ce que tu penses aujourd'hui que le meilleur média, en tout cas pour les rappeurs, ça reste Internet? Ça reste que sur Internet. Il faut se clôturer à Internet et non pas viser les journaux ou alors la radio et aussi justement la télé. Ben, c'est la voie alternative. Hein. Tu me diras, on n'a pas d'autre choix. Et puis, pour revenir au premier module, il vaut mieux, concernant Libération et ce que vous disiez, il vaut mieux se faire interviewer par un petit média sur le net qui sera vraiment passionné avec des questions pertinentes et compagnie que d'aller faire Libération avec des gens qui n'écoutent pas de rap, qui méprisent cette musique. Et... Oui, mais il y a des rappeurs qui ont envie de s'ouvrir aussi, c'est ça le problème. Ils ont envie de s'ouvrir, d'être vus, d'être plus vus. Ah oui, c'est logique au final derrière. Oui, bien évidemment, là je te rejoins là-dessus. De toute façon, quel que soit l'artiste, il veut être diffusé et toucher le plus grand nombre de personnes. Après, c'est des choix. Voilà. Excuse-moi, je vais te couper. Je suis obligé de te couper par rapport à ce que tu dis. Coupe-moi, tonton. Moi qui ai la chance deux fois d'aller dans les maisons de disques, les rappeurs n'ont rien. Les rappeurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. Si la maison de disques dit, tu vas faire. La couverture de Libération, c'est Libération et c'est tout, ils ferment leur bouche. Ils n'ont aucun droit, les rappeurs. Non, mais ça fait partie du contrat, c'est des obligations qu'ils ont à faire. Oui, mais ils n'ont rien, ils n'ont aucun poids. La seule personne aujourd'hui dans le rap français qui a du poids, c'est Booba, c'est tout. Booba, il fait ce qu'il veut dans le rap français. Le seul qui peut faire ce qu'il veut dans le rap français, c'est Booba. Les autres, c'est des marionnettes. Faut dire la vérité. Alors, attendez, nous, on a des gros sites de rap quand même. Ndout.com, je fais quand même 1 million de vues dans le mois quand même. Hein. Pourquoi il n'y a pas de maison de disque qui vient prendre, de page publicitaire? Tout simplement parce que c'est trop thug. Oui, alors que tous les jeunes viennent cliquer sur mon site. Mais pourquoi ils vont aller sur les autres sites qui font rien du tout? Ils vont par exemple sur Génération ou ils vont, sur Libération. Tout simplement parce que la maison de disque s'entend bien avec tel DA, telle personne. C'est tout, c'est copinage aujourd'hui. Donc en fait, c'est les attachés de presse qui sont en train de tuer le rap. Quoi. Mais t'as pas tort aussi, t'as pas tort. Parce qu'il y en a aussi quand même là. Mais c'est la vérité. Attendez, il y a des gros sites, il y a des rap français, il y a Ndaoud, il y a le truc. Mais pourquoi on voit pas d'espace publicitaire dessus? Tout simplement parce que la maison. Oui, mais non, mais j'en ai quelques-uns, mais j'ai pas les gros, tu vois ce que je veux dire. Attends, ça me permet pas d'acheter les couches pour mes enfants, tu vois ce que je veux dire. Voilà, et d'ailleurs, comment un site, un média rap, il peut, par exemple, donner son avis sur un album à un mec qui te paye son espace publicitaire? C'est pas bête comme question. Comment tu fais? Parce que moi, t'es un média aujourd'hui, quand on en est d'accord, t'es un gros média. Et donc, ce qu'il veut dire, c'est que pourquoi, comment toi qui peux être pote avec tel rappeur, ou alors un rappeur va donner tel argent pour le faire une promotion, je peux faire une chronique derrière en étant objectif, en faisant la vérité, c'est compliqué. Ah non, mais moi, bon, certes, je suis ami avec tout le monde. Un copinage dans Dieu le rap. Merci, tu vois. Mais avant, j'étais pas ami sauf avec Morsay, beaucoup de gens. Sauf Morsay. Non, sauf Morsay, tu vois. Ah mais ça tu vois, non. Avant, tu vois, j'ai ramené plein de clashs dans le rap français. Un moment, les rappeurs m'ont tous mis de côté, tu vois. Mais j'ai su revenir, pourquoi? Parce que j'ai la niaque, j'ai la volonté et j'aime la musique, j'aime le rap, j'aime cette culture, tu vois ce que je veux dire. Mais aujourd'hui, moi, quand la maison de disque me prend une publicité et je dois chroniquer l'album, j'en ai rien à foutre. Si j'ai dit cette musique, j'aime pas, qu'est-ce qu'il y a? J'ai déjà mon chèque dans mon compte en banque, il va pas venir le récupérer, c'est pas mon problème, c'est tout. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Tu fais des chroniques d'albums et de musique et de clips aussi. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu penses justement de ça, du copinage qu'il peut y avoir entre site internet et même toi aussi, tu peux devenir pote avec un rappeur. Est-ce que tu arriverais à être objectif et à critiquer le rappeur derrière? Ben, ceux qui connaissent ce on que t'a je reproché fais... de plein de trucs derrière. On l'a reproché d'être bas, d'être anti-rof, d'être anti... Oui, ben, moi, je me suis expliqué là-dessus sur le net. Bon, ceux qui connaissent à peu près mon taf sur le net, moi, je suis l'un des gars les plus objectifs, les plus honnêtes et les plus intègres du game. Donc moi, c'est pareil. Perso, si un Vantard, morceau il met 10 minutes pour se vanter. Tu vois. Voilà, c'est pour ça qu'on m'appelle Vantard. Mais voilà, moi, si le morceau, j'apprécie pas ou quoi, ok, j'irais pas dire voilà que je kiffe tel artiste ou quoi, juste parce qu'il est tendance ou... Vas-y. Non, parce que moi, c'est vrai ce que vous dites, mais après, moi, nous, qu'on fait des chroniques d'albums, et alors, on a eu des rappeurs, on a eu des menaces, on a fait une chronique de la MZ qui nous a menacés, on a... Ouais, tu leur diras, tu les connais bien. Big up à eux, hein. Mais c'est pas le problème aussi, justement. Non, après, moi, ça me dérange. Je prends un exemple simple, mais si un mec va aller chez Ruquier, par exemple, aujourd'hui, on n'est pas... Qu'est-ce qui va se passer? Si on le critère, il va pas s'énerver, il peut péter un câble. Ils sont susceptibles. Moi, j'ai toujours, à partir du moment... Dès ils sont pas habitués aussi. Où, à partir du moment, et Siana, elle sait très bien, à partir du moment où on donne son avis positif sur un rappeur, et qu'il retweet, il est d'accord, il faut qu'il soit aussi d'accord qu'on c'est négatif. La seule légitimité qu'on a, nous, parce que moi, je me considère plus comme un auditeur passionné et observateur.
La légitimité que j'ai, moi, c'est que j'achète le truc. À partir du moment où j'achète le truc et que je suis pas d'accord, je vais te le dire. Là, tu l'as acheté, parce que je l'ai acheté. Mmh. Et tu peux pas me donner, moi, ton aval, entre guillemets, quand moi j'aime bien, et tu me dis, quand t'aimes pas, je suis pas d'accord. Ils sont susceptibles. Tous les rappeurs, ouais, je suis pas d'accord avec ta chronique. Ouais, vous écrivez les chroniques avec un doigt dans le cul. T'es plein de trucs comme ça qu'on ressort. On dit, et dès qu'on dit du bien, et ben, on nous remercie, après, on est content. Après, pour revenir à Ruquier ou Ardisson ou quoi que ce soit, si les rappeurs sont invités, c'est à eux aussi de bien savoir de s'en sortir, quoi. C'est à eux de savoir qu'ils mettent les pieds dans cette émission-là et savent qu'ils vont être taclés. C'est à eux d'être assez intelligents pour se préparer avant. Tout à fait. Ouais, c'est faut arrêter, ouais. Faut arrêter à un moment donné d'être victimaire. Sinon, tu y vas pas, quoi. Ah non, c'est vrai, tout simplement. Parce que la plupart des gens qui vont chez Ruquier, il y a plein de gens qui refusent d'aller chez Ruquier, surtout à l'époque où il y avait Zemmour et Nolo. Et les mecs, ils savaient, ben, si je vais là-bas, de toute façon, je vais au casse-pipe. Regarde, moi, je devais t'inviter au MAG, comment ça s'appelle, de Energy 12. J'ai refusé d'y aller parce qu'on va le mettre avec les sosies de Booba, d'un tel, tu vois. Mais t'as beaucoup aidé quand même, ces sosies-là. Tu l'as beaucoup aidé, on est d'accord. Big up à Brahim Tavares, tu vois. Et on se demande encore pourquoi. Donc, je refusais d'y aller parce que je savais qu'ils allaient me parler que des clashs du rap français. Oui, tonton Marcel, t'as ramené tel clash. Non, j'avais pas envie d'entendre ça, basta. Donc je suis pas allé à leur émission Energy 12, Mac, quoi, basta. Chiala, est-ce qu'il y a beaucoup de sites internet qui viennent te proposer des interviews ou des freestyles, autre chose? Il y en a beaucoup qui viennent te chercher? Non, pas tellement. Comment ça se fait? Je pense que tu commences à rentrer. Ça va arriver quand même. Tu fais un gros buzz derrière. Le remix de Cosmo, ça va arriver là. Merci. C'est vrai qu'il est très lourd ce remix là d'ailleurs, je tiens à le dire. Mais oui, comment ça se fait justement, toi, tonton Marcel? Pourquoi tu vas pas interviewer justement Chiala? Tu veux pas une petite interview? Non, t'inquiète, je suis en contact avec son manager, grand respect à Cédric. T'inquiète pas. Non, tu sais, le problème. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les médias, enfin l'internet, ça reste les médias, ça reste les meilleurs médias pour les rappeurs. Je vais te dire donc, si aujourd'hui, les journaux, certains rappeurs vont dénigrer, enfin certains sites vont dénigrer tel ou tel rappeur, au final, ils n'auront plus rien. On va se plaindre, nous, les médias, on va se plaindre nous de justement de pas avoir le rap en avant, mais nous, on fait même pas nous-mêmes. Qui va le faire derrière alors? Non. En fait, elle est très très forte, mais il faut encore la laisser le temps de mûrir. Laissez-la le temps. Faut pas précipiter les choses. Tu vois, de toute façon, plus flingué quand même que. Ça suffit là. Je suis pas d'accord. Là, mais de toute façon. Non, elle est très très forte. Elle va faire un freestyle dans la semaine. J'irai la voir et vous allez voir, elle va faire au moins ce. Elle fera un freestyle en fin d'émission et je pense qu'elle va vite te convaincre. Siana Licorne, freestyle là. Siana est très très forte. Non, c'est pas ça. Je suis tellement pris, tu vois. Entre les Trace Music Awards, tu vois, avec comment ça s'appelle. J'étais trop. Cette semaine, j'étais vachement pris avec comment ça s'appelle Gradure. Et il y a deux semaines, j'étais vachement pris avec comment ça s'appelle la crime. J'étais un peu partout avec lui. J'étais au Red Room à Lyon avec lui. Là, je suis avec Gradure, tu vois. Ces derniers temps, je suis vachement pris. Donc, laissez-moi le temps. J'ai même plus le temps de regarder Internet, voilà. Tu vois ce que je veux dire. Tonton Marcel est trop busy. Ouais, je suis trop busy, tu vois. J'ai pas le temps. Bantard, qu'est-ce que t'en penses justement de Siana? Et est-ce que tu penses que. Ben, est-ce que tu ferais encore des interviews? Parce que t'en fais plus des interviews aussi. Écoute, comme je t'ai dit, Vantard est le gars le plus honnête, le plus intègre et le plus objectif du game. Alain Delon. Savoir que toutes les vidéos commencent comme ça. Voilà, exactement. Ouais, et regarde, écoute, c'est très simple. Siana va pas me contredire, j'ai déjà parlé d'elle dans une de mes semaines rap. C'est vrai. Voilà, tu vois, moi j'ai décelé le talent et j'en ai parlé. Et voilà, je trouve qu'elle a beaucoup de talent, elle est très très forte et je dis pas ça parce qu'elle est à côté de moi, parce que j'ai déjà parlé d'elle bien avant cette émission. C'est vrai. Donc, merci. Voilà. Merci beaucoup. On va parler un peu des magazines rap aujourd'hui qui n'existent pratiquement plus, il n'y a que Rap Mag encore qui existe. Comment vous expliquez le fait qu'aujourd'hui il n'y a plus tous ces magazines, tous ces journaux hip-hop? Principalement parce que plus personne n'achète. C'est ça. Oui, mais et que les mecs ils se battent pour aller faire la couve de Libération, même Libération ils sont en galère. C'est ça. Le marché de la presse il est complètement. Il descend totalement. Alors, je connais très bien ce marché de la presse, mais. C'est pas une raison. En fait, personne n'a su se réadapter à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'application entre guillemets mobile de rap. Aujourd'hui, les sites de rap, ils vont disparaître aussi. Aujourd'hui, c'est plus une application. C'est on veut recevoir une notification que telle chronique est arrivée. On ne veut plus aller chercher cette information-là. Et ce milieu hip-hop, il a du mal encore à. Qui est tellement dans le futur, selon lui. Il a du mal à s'adapter au nouveau marché. Toi, par exemple, Kayen Daoud, toi qui fais tes chroniques sur YouTube et quoi que ce soit, aujourd'hui c'est bien, mais est-ce qu'on pense déjà à demain, comment on va faire pour redynamiser un peu le truc, tu vois? Non, mais avec Internet, il y a une interactivité qu'il n'y a pas avec les magazines. Les magazines sortent, je sais pas, soit tous les mois, soit toutes les semaines, et il y a tellement de choses qui se passent, qui sont dépassées par les événements. Ouais, et puis les magazines, c'est payant, Internet, c'est gratuit, c'est beaucoup plus interactif. Avec Internet, on a la vidéo, il y a les réseaux sociaux, donc voilà, par la force des choses. Les magazines, c'était un support qui était amené à mourir. Ouais, non, mais de toute façon, Rap Mag, moi je le. Rap Mag, c'est tous les 3 mois.
Ah, ok. Et Ndao, c'est tous les jours, il y a une vidéo. Donc, ouais, c'est en tout cas, messieurs, je vous remercie. Oui. Olivier, merci Street Rouge, je vous remercie pour Marcel, merci à toi, Nendo.com. Vrai rap français, le Twitter de Wesley. S'il y en a d'autres, on va retrouver juste après en fin d'émission aussi pour justement un freestyle, un gros freestyle. Et Vantard, merci à toi aussi. Merci. Pour les vidéos sur Internet, sur le YouTube, monsieur Vantard, Facebook aussi. Exactement. On va continuer l'émission avec le Kiff ou Kiff pas de Jérôme qui sera juste là. Il y aura aussi le disque rayé avec Hubert qui va arriver, ouais. Qui va s'en prendre à qui déjà, tu imagines? Laurel et Hardy. Laurel et Hardy du rap game, on va voir un peu qui c'est, si vous vous posez la question. Ça va arriver juste après, on revient tout de suite. Merci. Merci les gars.